Alors, savez-vous comment dire ces choses en anglais? Bailler, péter, rôter, ronfler, éternuer, tousser, cracher, soupirer, se moucher ou se racler la gorge. C'est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So today, let's talk about how to say these expressions in English. So without further ado, let's start with the first one. Comment dit-on cela en anglais? En anglais, bailler, c'est to yawn. Par exemple, pourquoi bailles-tu comme ça? Es-tu fatigué? En anglais, c'est why are you yawning? Un G à la fin. Why are you yawning like this? Comment dit-on es-tu fatigué? Are you tired? Are you tired? Ce n'est pas are you tired, ok? Ce n'est pas non plus are you tired. C'est are you tired. C'est comme si c'était T-I-Y-E-U-R-D. Alright, donc, prochainement, dites to yawn. Number two, je ne vais pas vous démontrer cela. Vous savez quels sont, ça émet. Des fois, ça n'émet pas de son. Attention. Alright, comment dit-on péter en anglais? Il y a deux expressions, une expression qui est plus courante et une expression qui est plus diplomatique. L'expression courante, c'est quoi? C'est « to fart ». L'expression plus diplomatique, c'est quoi? C'est « to pass gas ». Je ne dis pas que ce sont les deux expressions uniques pour dire « péter », mais soit « to fart » ou bien « to pass gas ». Utilisez « to pass gas » parce que beaucoup de gens connaissent « to fart ». To fart, ça fait un peu bizarre, ok? C'est très informel. Au travail, dites to pass gas. J'espère que ça ne va pas vous arriver au travail, mais c'est tout à fait naturel, donc sachez comment le dire. Exemple, Aïcha a accidentellement pété pendant la réunion, faisant rire tout le monde. Comment dire cela en anglais? Aïcha accidentally, vous voyez comment je prononce ça? Accidentally, passed gas. Donc, vous voyez, ça, c'est le passé simple de pass. Donc, ne dites pas past guest. C'est past guest. During the meeting. OK. Making everybody laugh. Laugh, c'est L-A-U-G-H. All right. Number three. Roter. Comment dire roter en anglais? Ça fait Roter en anglais, c'est roter d'abord. Roter, est-ce qu'il y a un accent circonflexe sur le O ou pas? Mettez-moi ça en commentaire. Roter, je crois qu'il n'y a pas d'accent. Hein. Je vais enlever mon accent pour le moment. Mais mettez-moi ça en commentaire, ok? Roter, c'est to burp ou bien to belch. To belch également, mais c'est moins utilisé que to burp, ok? Exemple. Ne t'ai-je pas dit de t'excuser lorsque tu rôtes comme ça? Bien sûr, lorsque vous rôtez comme ça, il faut dire « excuse me ». Alright. Là, je l'ai mis sciemment à la forme interro-négative, ok? Pour apprendre comment faire des phrases à la forme interro-négative. Donc, ne t'ai-je pas dit « have I not told you to apologize, Z-E, when you burp like this? » Alors, « when » ici, peut-être également « whenever », ok? « Whenever », chaque fois que « whenever », all right? « Have I not told you to apologize or to say excuse me when you burp like this », all right? Quel nombre? Number 4, ronfler. Non, en fait, on n'ouvre pas les yeux comme ça, c'est... Ronfler se dit comment en anglais? Ronfler, c'est « to snore ». Exemple, Christian ronfle si fort la nuit que ça garde sa femme éveillée. Aïe, 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 j'espère qu'ils ne m'ont pas divorcé à cause de ça. Il faut l'emmener chez le médecin. Il y a quelque chose qu'on peut vous mettre dans le nez pour résoudre la situation. Christian ronfle si fort la nuit que ça garde sa femme éveillée. Il y a des gens ici dans les commentaires, il y a des gens qui regardent la vidéo maintenant qui ronflent beaucoup. Vous ne savez pas que vous ronflez, donc il faut demander autour de vous, ceux qui dorment avec vous là, est-ce que je ronfle ou pas? All right? C'est pas un problème, il faut juste leur demander parce que si vous ronflez tout le temps, peut-être ils ne vont pas vous le dire, mais c'est pas une bonne relation à garder, ok? Christian ronfle si fort que ça garde sa femme éveillée, c'est pas normal, vous comprenez? Christian snores
Okay, prison simple de l'indicatif troisième personne du singulier snores so loudly at night that it keeps his wife awakened. Christian snores so loudly at night that it keeps his wife awakened. It's not a good thing, all right? Éternuer. Comment dire cela? To sneeze. To sneeze. Que dit-on à quelqu'un qui a éternué? On lui dit à tes souhaits. All right? So, on va voir également comment on dit à tes souhaits en anglais. What do we tell someone who has sneezed? We say, bless you. All right? So, next time somebody says, tell them, bless you. All right? Or, God bless you. Okay? Next, what number? Number six. Tousser. Tousser, c'est to cough. C'est pas évident du tout, n'est-ce pas? C-O-U-G-H, mais c'est cough. Comme si ça se terminait par un F. Tu tousses depuis une semaine. Il faut aller voir un médecin. En anglais, you have been coughing for a week. You ought to see a doctor. Alors, pourquoi j'ai mis ought to see plutôt que you should? C'est pour vous apprendre également qu'on peut dire ought to. Ça se prononce ought to. You ought to see ou bien ought to see. Okay, you ought to see a doctor. All right? To cough. You've been coughing. Pourquoi j'ai mis ça? Au present perfect progressive, parce que l'action a commencé dans le passé et continue dans le présent de façon progressive. Donc on ne peut pas utiliser le présent, on ne peut pas utiliser le passé, il faut utiliser une conjugaison au beau milieu qui s'appelle le present perfect progressive. All right, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cracher. En anglais, ça se dit comment? To spit. Et vous voyez comment j'ai prononcé cela, j'ai pas dit spit. Ce n'est pas spit, mais c'est to spit. All right? Je n'aime pas les gens qui crachent en public. Est-ce que vous, vous aimez les gens qui crachent en public? Dites-moi ça en commentaire. Déjà, si vous aimez cette vidéo, vous savez exactement ce que vous devriez faire. Likez la vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis. Bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Let's go. Je n'aime pas les gens qui crachent en public. En anglais, c'est I don't like people who spit in public. Public, public, same thing. All right, I don't like people who spit in public. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste un exemple. Peut-être que c'est moi, on ne saura jamais. All right, next, soupirer. Soupirer. En anglais, comment ça se dit? Ça va vous étonner. La prononciation de ça va vous étonner. En anglais, c'est to sigh. To sigh, tout simplement. Ok, sigh. Ne dites pas to sig. Alright? Alors, elle a soupiré de soulagement après avoir terminé la tâche difficile. On va prendre également soulagement. En anglais, cette phrase, c'est she sighed. Ah, vous voyez comment j'ai dit ça au passé simple, sighed. C'est pas sighed. Pourtant, ça, c'est sigh. Mais dès que ça prend ED, c'est sighed. She sighed in relief. Soupirer de soulagement. She sighed in relief after having finished or having completed. You can also say completed the difficult task. She sighed in relief after having completed the difficult task. All right. In relief. I have finished this difficult task, finally. All right, next, se moucher. How do we say that? We say to blow what? To blow your nose. Example, pourquoi te mouches-tu chaque 3 minutes? As-tu le rhume? On va voir comment on dit avoir le rhume en anglais. Pourquoi te mouches-tu chaque 3 minutes? Why are you blowing your nose every 3 minutes? Ce n'est pas minutes, ok? 3 minutes. Do you, comment dit-on avoir le rhume? Do you have, quoi, the rhume? Do you have a cold? Do you have a cold? As-tu le rhume? Do you have a cold? All right, next time, remember to say to have a cold. J'ai le rhume, I have a cold. All right, and the last one, se racler. La gorge. Se racler la gorge. How do we say that? In good English is to clear your
Comment dit-on gorge en anglais? Throat. Your throat. Example. Avant de commencer son discours, il s'est raclé la gorge pour attirer l'attention de la foule ou bien l'attention des participants. All right. So, avant de commencer son discours, before starting, comment dit-on discours en anglais? Before starting his speech, he cleared, passé simple de clear, he cleared his throat to draw the attention of, notez le mot que je vais utiliser, of the audience. Ça, c'est un mot que je vous apprends, je pouvais dire participants également, mais j'ai préféré utiliser audience afin que vous puissiez apprendre ce mot. To draw the attention of the audience. Et maintenant, vous savez également comment dire attirer l'attention de quelqu'un. All right, that's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let me actually write the numbers. So in the comments, you can reference any number that you want instead of typing the entire word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. That's it. Next time, you know exactly how to say these words in English. I want you guys to stop trying to memorize things. Instead, simply use them in sentences every day. Practice them daily, and the brain automatically is going to remember them. All right, everybody, like this video, share this video, subscribe to the channel, and activate that bell so you never miss my future videos. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.